Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Couder, la chaîne qui vous explique la physique et ici la chimie de façon simple. Si vous voulez plus d'aide, allez voir en description, je vous offre des choses pour vous aider à vous améliorer dans vos cours. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble un outil très utile pour tous les chimistes, le tableau périodique des éléments. Ce tableau, dont la première version a été lancée en 1869 par DF, est l'outil de base du chimiste, un petit peu comme l'alphabet est l'outil de base des écrivains. De la même façon qu'avec juste 26 lettres, on peut fabriquer tous les mots de la langue française, et bien juste avec 100, 116 maintenant éléments, on peut fabriquer toutes les molécules et donc toute la matière qui nous entoure. Ce tableau-là nous aide à mieux comprendre les éléments et la façon dont ils vont réagir grâce à un rangement très pratique. Ce rangement donc a été intuité au milieu du 19 siècle par les chimistes qui ont remarqué que quand on traçait la pro... certaines propriétés des matériaux comme la malléabilité, la volatilité ou d'autres choses en fonction de la taille des éléments, eh bien on obtenait ce genre de courbes, des courbes périodiques. Et donc l'idée de base des chimistes est de dire que ces différents éléments qui se trouvaient au même endroit des périodes, et eh ben on allait tous les mettre sous la même colonne et on obtient un tableau comme ça. Alors depuis le tableau, il s'est un peu amélioré, notamment on ne classe plus les éléments par masse, mais bien par numéro atomique. Et puis il y a certaines colonnes qui sont plus longues que d'autres. Pourquoi Parce que depuis le 19e siècle, on a acquis des connaissances sur la façon dont les électrons étaient mis dans les éléments et comment à expliquer les propriétés. Notamment, on sait maintenant que tous les atomes ont un certain nombre d'électrons et que ces électrons ne se mettent pas comme ils veulent autour de l'atome, ils sont organisés en couche électronique. Et on sait aussi que la réactivité de ces éléments dépend de leurs électrons de valence, c'est-à-dire de la structure des électrons sur leur couche externe. Eh bien, toutes ces informations, on va y avoir un à coup d'œil juste en regardant le tableau. Commençons par cette notion de couche externe. Eh bien, pour avoir le numéro de la couche externe d'un élément, il suffit de regarder la ligne sur laquelle il se trouve. Donc, par exemple, tous les éléments qui sont sur cette ligne-là, eh bien, leur couche externe, c'est la couche numéro 3, ici 4, 5, ici 1, 2. Donc facile, une fois qu'on a la ligne, on a le numéro de la couche externe. Passons aux colonnes maintenant. Bah, les colonnes, c'est simple aussi. Le numéro de la colonne correspond au nombre d'électrons sur la couche externe. La première colonne, il y en a un d'électrons sur la couche externe. La deuxième, il y en a deux. Et là, on saute puisqu'on passe directement du beryllium au bord. Et donc deux, puis on continue. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Là où ça se complique un tout petit peu, c'est pour les atomes qui sont là, enfin pour les éléments qui sont là, puisque ben, on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, on ne met pas 12, on met 2, parce qu'en fait, on retrouve ces 2-là. Si vous voulez vraiment comprendre, vous pouvez aller voir la vidéo sur la structure électronique, parce que c'est des histoires d'inversion de couches. Mais ce n'est pas très intéressant ici, vraiment, il faut juste retenir qu'il faut compter la colonne. De toute façon, ici, vous n'aurez jamais cette colonne-là, parce que justement, elle est un peu bizarre. Donc, si des éléments sont dans la même colonne, ça veut dire qu'ils ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe, le même nombre d'électrons de valence. Ils vont donc avoir les mêmes propriétés chimiques, donc la même réactivité. Comme ils ont les mêmes propriétés, on dit qu'ils appartiennent à la même famille chimique. Alors, il n'est pas écrit explicitement dans les programmes qu'il faut connaître les familles et la réactivité associée, mais moi je vous le conseille fortement parce que je constate que ça aide beaucoup à faire les exercices de connaître les grandes familles et de savoir comment elles se comportent. La première famille, c'est la famille des gaz rares, qu'on appelle aussi gaz noble. Alors, cette famille, c'est la dernière colonne. Pourquoi Parce que ici, sur cette colonne, c'est celle où toutes les couches externes sont remplies. Donc, c'est des atomes, qui, des éléments qui ont toutes leurs couches externes remplies donc ils ne vont pas réagir. Bien pour cela qu'ils sont sous forme gazeuse ils n'interagissent pas les uns avec les autres, ils n'interagissent avec personne et donc ils sont sous forme gazeuse. La deuxième famille à connaître c'est celle-là, c'est celle qui est juste à sa gauche, c'est ce qu'on appelle les halogènes. Et on voit que pour avoir leur couche externe remplie, donc pour être là-bas avoir la même structure électronique que les gaz nobles, il leur manque un électron. Donc ils vont avoir tendance soit à se mettre ensemble pour faire une liaison covalente, soit à prendre un électron et à faire des ions moins. C'est pour ça qu'il y a F-, Cl-, Br-, I-. Voilà pour les deux familles à connaître à droite. À gauche, il y a une famille à connaître là, c'est la famille des alcalins. On voit que les alcalins, ils ont un électron sur leur couche externe. On se rappelle que les éléments, ils sont plus stables quand leur couche externe est pleine. Donc s'ils en ont un, c'est un petit peu comme s'ils avaient un de trop, donc ils vont avoir tendance à se débarrasser d'un électron. Et donc ils vont réagir un petit peu avec tout ce qui passe pour donner leur électron. Ça peut être par exemple avec de l'eau. Alors attention, à l'hydrogène, vous voyez, d'une autre couleur, il n'est pas vraiment dans cette famille. Cette famille, c'est vraiment ça. Donc le lithium, le sodium, le potassium réagissent avec l'eau. Le sodium, par exemple, euh, ça explose assez bien dans l'eau. Vous trouverez plein de vidéos sur YouTube si vous tapez sodium dans l'eau ou même potassium dans l'eau. Le lithium, il réagit, mais il ne prend pas feu. Donc ça fait des vidéos YouTube un peu moins impressionnantes. Donc voilà, trois familles à connaître. Pas forcément connaître leur nom même s'il arrive assez souvent, mais savoir comment elles se comportent. Pas de réaction, il leur manque un électron, et elles ont un électron de trop. La dernière chose à connaître avec ce tableau, c'est les blocs. Sur la partie du tableau qui est au programme au lycée, on peut distinguer trois blocs. Le premier bloc, c'est celui-là, c'est le bloc S. Le deuxième, c'est celui-là. Tout ce qui est à droite, c'est le bloc P. Et enfin, le dernier, c'est ce qui a au milieu, c'est le bloc D. Bloc S, P, D. Est-ce que vous reconnaissez ces lettres Oui, ce sont les lettres qui correspondent aux sous-couches électroniques. Et regardez un peu mieux, dans le bloc S, dans les sous-couches S, on peut mettre deux électrons et il y a deux colonnes. Dans le bloc P, on peut mettre six électrons, il y a six colonnes. Et dans le bloc D, on peut mettre dix électrons, il y a dix colonnes. Alors ce n'est pas un hasard, hein, c'est bien difficilement fait exprès. En fait, suivant leur position dans ces trois blocs, vous avez la lettre qui correspond à la sous-couche qui est en train de se remplir. Donc vous voyez qu'en regardant ce tableau et en regardant la place d'un élément dans le tableau, on a vraiment beaucoup d'informations et on peut facilement retrouver la structure électronique, par exemple. Donc pour résumer, le tableau périodique, c'est une liste de tous les éléments chimiques. J'insiste, c'est bien tous, il n'y en a pas d'autres que ceux qui sont indiqués. Et ils sont rangés par numéro atomique croissant. D'abord le 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Jusqu'à 116. Mais ils ne sont pas juste rangés, ils sont aussi organisés. C'est-à-dire que sur une ligne, on a tous les éléments qui ont la même dernière couche électronique non remplie. Et sur une colonne, on a tous les éléments qui ont le même nombre d'électrons de valence. Ce tableau est organisé en blocs, S, P, D, qui dit en fait, suivant les blocs, c'est les... les éléments qui sont dans le même bloc, c'est les éléments qui ont la même sous-couche électronique en train de se remplir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.